Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, qui dit tête de folle dit crash test. Eh oui, j'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui. Je vais voir si la vidéo elle dure pas trop longtemps parce que comme je vais la poster en plus un mardi, voilà, je voulais éviter de mettre le mardi les vidéos trop longues. Comme ça, le vendredi, je mettais les vidéos plus longues. Pas grave. Allez, trêve de blabla, sinon ça va durer plus longtemps que prévu. J'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui. Je vous montre tout de suite tout ce que je vais tester dans cette vidéo. Alors, je vais tester la New Romantic de chez Beauty Bay. Donc, Beauty Bay me l'a envoyé. J'ai reçu un mail pour savoir si je voulais tester cette palette. J'ai dit oui, je voulais la tester. J'ai envoyé mon adresse. Ils me l'ont envoyé. Bon, malheureusement, je n'ai pas de code promo, mais il y a souvent des codes promo qui sont dispo sur le site de Beauty Bay. Donc voilà, c'est la palette qu'ils ont sortie pour la Saint-Valentin. Je vous ai fait les swatchs, donc je vous ferai en détail les swatchs quand on passera à la palette. J'ai l'anti-cerne, le best skin ever de chez Sephora à tester. J'ai le fond de teint infaillible 24 heures. Fresh Wear de chez L'Oréal à tester. J'ai le blush Charlotte Tilbury. Bon, vous le connaissez, mais moi, ça fait que quelques jours que j'utilise. Et je vais vous montrer qu'il est vachement mieux que le... je sais plus comment il s'appelle, l'autre. Bref, celui-ci est mieux. C'est le Love is a Drug. Donc aujourd'hui, on va mettre ce blush. J'ai le nouvel highlighter de chez Anastasia Beverly Hills à vous montrer, qui est la teinte Iced Out, donc qui est dans ce packaging blanc de toute beauté. Voilà. J'ai le nouveau mascara de chez Maybelline, le Sky High, que j'utilise depuis un moment. Et voilà, faut que je vous en parle. Et j'ai... le baume à lèvres de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk à l'acide hyaluronique. Donc voilà tout ce que j'ai à vous montrer dans cette vidéo. Donc et ben c'est parti. Je vais quand même garder mes lunettes juste pour voir que je suis pas flou. Voilà, donc on va commencer. Attendez, je recule un tout petit peu. Si si, l'anticerne. L'anticerne. Donc on va commencer par l'anticerne de chez Sephora, le best skin ever. Les lunettes sont crades, c'est pas grave, je nettoierai après. Le best skin ever. Donc apparemment c'est un anti-cerne haute couvrance, fini naturel, anti-pollution, modulable, sans effet matière, longue tenue, hydratation 12 heures, camoufle, corrige et lisse, non comédogène, testé dermatologiquement. Il fait 5 ml et je crois qu'il coûte... 14,99, 13,99, je vous mettrai les prix à chaque fois. Donc moi je l'ai pris en teinte 22 et je suis allée l'acheter en magasin et j'ai bien fait. Parce que j'ai failli prendre une teinte beaucoup trop claire, je crois que je voulais prendre la 13 mais c'était beaucoup trop clair. Donc j'espère que celle-ci elle sera bonne finalement. Donc on va tester ça déjà. Donc je mets hop, mon petit miroir devant moi et bon, on va voir ce que ça vaut. J'utilise le pinceau de chez Zoeva qui est le pinceau comme ça pour l'anti-cerne, j'adore. C'est le c'est le 146 concealer perfector, donc en forme de doigt, voilà, que j'utilise tous les jours. C'est mon pinceau préféré, franchement j'adore ce truc, j'adore ce truc. Avec l'anti-cerne ça doit être top. Donc je l'ai pas encore testé, c'est la toute première fois, donc là, ça se voit. J'arrive même pas à l'ouvrir. Donc ça se présente comme ceci. Donc petit pinceau comme ça, mousse assez plat. Donc je vais essayer de pas trop en mettre parce que comme je sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai peur de trop en mettre. On va déjà faire un œil. On va faire les deux de toute façon. Au pire, hein, j'en remettrai. C'est pas grave. Ouais. Bon, je vais pas trop laisser sécher parce que voilà, on va voir. Alors ça s'étire bien. J'aurais pu en mettre un peu plus, ça ne gênait pas finalement. Bon, j'ai pas trop de cernes, hein. Je suis pas quelqu'un de très très cerné. Donc, et la teinte, elle est nickel. Teinte 22, nickel chrome pour moi. J'aime pas quand c'est trop clair. Et je trouve que là,
on a un sous-ton, on va dire, un sous-ton en dessous de ma carnation. Et c'est pas mal du tout. Donc je vais pas le poudrer, parce que moi d'habitude je poudre avec la poudre à l'acide hyaluronique de chez By Terry, parce que j'aime bien cette poudre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas le poudrer, je vais voir ce que ça donne. Et avec ce pinceau, c'est juste parfait. J'utilise même plus ma Beauty Blender, vous vous rendez compte? Bon bah écoutez, hein, regardez. Ça a l'air pas mal. J'espère que ça va pas filer dans mes ridules. Que ça va bien rester en place. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Moi la teinte pour moi elle est parfaite. J'aime pas quand c'est trop clair. Donc nickel. Ensuite je vais appliquer le fond de teint de chez L'Oréal. Le infaillible 24h Fresh Wear Foundation. In a powder, fond de teint longue tenue en poudre, waterproof. Ah ça c'est cool. Et j'ai pris en teinte sable rosé numéro 180. Je l'ai acheté sur le site de Maki Beauty parce qu'il n'était pas dispo sur le site de L'Oréal dans cette teinte, et moi c'est la teinte que je voulais, sable rosé. C'est le genre de couleur que moi j'aime, il faut que ce soit un peu rosé. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'espère que c'est couvrant comme il faut. Donc je recule un tout petit peu pour qu'on voit un tout petit peu mieux mon visage. Je vais utiliser un pinceau BH Cosmétique, le V1. Bon, je l'ai utilisé une fois. J'en ai la V1, il était tout propre, mais il n'est pas sec. Donc comment vous dire que c'est pas possible. Voilà. Donc je vais utiliser celui-ci que j'ai utilisé une seule fois. Bon, il y a un peu de poudre, mais ça, je pense pas que ça change grand-chose. Et l'anti-cerne, ah, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on tient quelque chose de pas mal. On va voir. Bon, bref, allez. Ça en fout de partout. Je suis en train de moisir mon pantalon. Heureusement que j'ai mis un t-shirt gris. Ah oui. J'ai de la poudre. De partout, c'est hyper volatile. Alors, attente, je pense que c'est putain. Je pense que la teinte là, elle est nickel chrome pour moi en ce moment. Et si c'est waterproof, ça sera parfait. Alors la teinte, elle est nickel chrome. Oh, j'aime trop. Oula. Mais alors la teinte, elle est parfaite. Je vais rester sur ma table. Par contre, ouais, alors là, c'est vraiment abusé la poudre que ça. Vous voyez, regardez. Pas que je parle. On va faire le coup. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que j'ai à dire? Couvrance légère, à moyenne quand même. Bon, petit défaut, c'est que c'est extrêmement poudreux. Mais bon, ça après, c'est pas légère à moyenne quand même. Hein. Légère à moyenne, ça se voit quand même un peu sur le teint. Mais bon, moi en général, je mets un spray fixateur pour enlever l'effet poudre. Par contre, ouais, j'en ai foutu de partout. J'en ai de partout. C'est une catastrophe. Mon t-shirt, il est même plus gris, il est orange. Voilà. Donc je fais bien de me maquiller le matin avec nu, voilà, juste en culotte, parce que c'est pour éviter ce genre de truc. Qu'est-ce que je peux dire? La couvrance est quand même bonne. Ouais. Donc bah, voilà, j'ai tout nettoyé et tout. Oui, donc la poudre, je vous ai même pas dit, il y a 9 grammes à l'intérieur. Alors vous voyez, pour vous montrer un peu le côté très très poudreux, vous allez voir mes cheveux, regardez. Tout ça là, ce ne sont pas mes racines, non. C'est la poudre qui a coloré mes cheveux. Donc voilà, faut que j'arrange ça. Bon, bref, c'est pas grave. Donc entre temps, j'ai fait mes sourcils.
Alors, j'ai mis également le bronzer, donc j'ai mis mon bronzer de chez Kiko de la collection Mood Boost en teinte 02 neutrale Sienna. De toute façon, je vous l'ai montré dans la vidéo crash test Kiko en collaboration avec Tiffen. Donc, je vous mettrai là la vidéo. Et j'ai également fait mes sourcils avec le mascara pas transparent, coloré de chez Essence, le Make Me Brow en teinte Ashy Brows, la teinte 04 qu'on trouve sur Maki Beauty. Également comme la poudre compacte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills. Je me force à l'utiliser. Vraiment une torture. Parce que je suis pas fan. C'est vachement blanc. J'aime pas trop quand c'est blanc. Bon alors voilà, la base est mise. Sauf que j'avais oublié que j'avais mis un fard à paupières liquide de chez Linda Alberg. La teinte... Supernova, celui avec des paillettes bleues. Bon bah il y a un peu des paillettes, c'est pas grave. On va faire avec. Oui, bilan, petit entre temps, l'anticerne. Il a un peu filé là. C'est quoi ce bordel? Là non, mais là oui. On va mettre un petit coup comme ça. Bon après si c'est que ça, ça va. Bon allez, passons aux yeux. On va utiliser la palette New Romantic de chez Beauty Bay. Merci beaucoup à Beauty Bay, je suis trop contente. Franchement, c'est ma toute première palette offerte. Et alors, je vais vous mettre voilà, les swatchs de cette palette. Comme ça, vous allez voir, je vais essayer de la faire en mode rapide. Pas mettre 1000 ans pour vous raconter... les teintes et tout, et après je vais vous faire un petit mot vite fait sur la palette, les textures que j'ai ressenties au fur et à mesure. Alors on commence par la première teinte qui s'appelle Vanilla, qui est tout simplement une teinte un peu beige vanille mate, qui est vraiment pigmentée, donc je la trouve vraiment très bien pour le creux de paupières. Ensuite on a encore un mat qui s'appelle Birthday, qui est un rose tout doux, trop joli, bien pigmenté aussi, ça m'a l'air vraiment magnifique. Après on a la teinte Oyster, qui est un champagne qui je pense pourrait être très bien en coin interne, qui est ultra lumineux, c'est un très joli pailleté, ouais, ça, pas satiné mais pailleté. Après on a la teinte, une teinte mate aussi qui s'appelle Flamingo, qui ressemble vraiment aux teintes, on dirait vraiment flamant rose. Donc c'est un mat qui est également magnifique et un peu plus intense que le Birthday. Après on a la teinte Lingerie, qui est un marronné clair. Lui je m'y suis reprise quand même à 3 fois pour avoir ce que vous voyez dans le swatch. Il swatch pas super bien, mais écoutez, pour faire au pire en creux, je pense que ça suffira largement pour réchauffer un peu le creux de paupière légèrement au-dessus. Après, on a une teinte qui s'appelle Milkshake, qui est un peu rose fluo. Voilà, c'est ce que je me suis dit quand je l'ai swatché, qui est mat, qui est vraiment très 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 jolie. Après, une teinte que j'adore, qui s'appelle Shins, magnifique, cette espèce d'argenté. Violet, sublime, ça doit être trop beau. Après on a une teinte mate qui s'appelle Claret ou Clarette, qui est un bordeaux prune, voilà, qui swatch très très bien. Après on a une teinte magnifique qui s'appelle Queen, très 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 jolie couleur aussi, on est sur un prune pailleté de toute beauté. Après on a la teinte Smoothie, qui est un rose chaud assez intense, qui est mat, qui est vraiment très joli. Je suis agréablement surprise encore une fois par les teintes de la palette Beauty Bay. C'est un peu comme la Book of Magic, j'adore. Après on a la teinte Penny, qui est magnifique, qui est un espèce de rose gold bronze. Parce qu'en fait il est rose bronze avec des particules un peu dorées. Oh, il est trop beau, hyper crémeux, magnifique. Après on a une teinte qui s'appelle Ambers, qui est un marron chaud, un peu couleur ambre, vraiment sublime aussi. Après on a la teinte Raspberry, qui est un rose chaud, très chaud, qui tire largement vers le rouge.
Voilà, comme son nom l'indique, fraise, raspberry c'est fraise, hein, c'est ça, ouais. Si je me trompe pas, au pire, je mettrai une petite note si je me suis trompée. Après, on a la teinte Mars, qui est un marron chocolat, voilà, mat. Voilà. Ensuite, on a la teinte Royal, qui est un violet, comme je les aime, un joli violet chaud. Vraiment, voilà, pailleté, trop beau, crémeux. Après, on a la teinte Muffin, qui est un peu comme la teinte Lingerie, qui est un peu plus froid. La lingerie est un peu plus chaud. La lingerie est un peu plus froid. Celui-ci est un peu plus chaud. Je m'y suis reprise quand même à deux fois pour faire le swatch. Mais pareil, pour le creux, ça sera très très bien. Donc, c'est un mat. Après, on a une teinte, alors c'est ma préférée, la teinte Kaki. J'adore le kaki. Et je trouve que c'est très bien d'avoir mis dans la palette, qui est magnifique. La lumière de ce fard est juste sublime. Après, on a un marron froid, mais très foncé, qui s'appelle Saddle, qui est un mat. Je pense que lui, en creux de paupière, enfin en coin externe, pour intensifier, il sera magnifique. Après, on a la teinte Valentine. Waouh! Alors, ce fard, quand je l'ai swatché, j'étais choquée. C'est magnifique. C'est un violet prune hyper intense. J'adore. C'est avec le kaki, c'est mon fard préféré. Voilà. Et le dernier. Alors attention, je pense que c'est du pigment pressé, qui est la teinte Ink, qui est un noir mat. Mais alors, extrêmement pigmenté et faut pas trop appuyer avec le pinceau. Je pense qu'il faut en prendre juste une pointe. Parce que ça m'en a foutu de partout. Voilà. Donc voilà pour les swatchs de la palette. Je vous ai fait le détail. Donc voilà. Et ben c'est parti. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. Mais pas grave. Hein. Je vais trouver au fur et à mesure. Je vais m'adapter. Bon. Alors. On va commencer par le creux. J'utilise un pinceau Zoeva, le 231 Petit Crease. Et je vais mettre... Et j'en sais rien du tout. Smoothie. Tiens, ça me plaît bien ça. Smoothie. Cette teinte là. Celle-ci. Trop jolie. Je pense que ça peut être pas mal. Ah oui, c'est vachement pigmenté. J'effleure à peine ma peau. Oh, choquée. J'effleure ma peau. C'est un truc de fou. Oh, les paillettes en dessous, ça me foire tout. Mais bon, c'est pas grave. Ça va... Par dessus ça se verra plus. Waouh, le smoothie il est hyper intense. Mais très beau. Je pense que ça peut être sympa. Ça s'estompe merveilleusement bien. Hein. Aucun problème. Regardez-moi cette intensité. Alors là, ça je m'attendais pas à ça. Bon bah écoutez, hein, je crois qu'il n'y a pas photo. Hein. C'est hyper intense, ça fait un moment quand même que je travaille le fard sans remettre de matière pour l'estomper au maximum et je pense qu'il n'y a rien à dire, c'est vraiment, vraiment très très bien. J'ai l'impression que c'est plus intense de ce côté là que de l'autre côté. On va essayer d'arranger ça. C'est impressionnant. Okay. Ensuite, bah tiens, on va faire les gens au-dessus. Comme ça, ça va être fait. Avec un pinceau 225 de chez Zoeva, le Luxe Eye Blender. Voilà, je vais mettre la teinte Lingerie. Je pense que ça sera mieux. Donc c'est la teinte qui est ici, au-dessus du smoothie. Ah bah, finalement, vous voyez, c'est hyper intense. Hein. En fait, ça va très bien. Comme quoi, entre le swatch... Et quand on le met sur l'œil, c'est là où on voit également la différence, quoi. Donc voilà, c'est pour atténuer un peu les contours et adoucir un peu cette teinte qui est quand même hyper intense, là, le rose. Bon, bah, moi, je trouve que ça va très bien ensemble. J'aime beaucoup. Ouais, je trouve que c'est parfait. Ça se marie bien ensemble, ça adoucit le rose. Donc très bien. Ensuite... Dans le creux de paupière, vraiment pour intensifier, j'ai envie de mettre le, j'en sais rien, le Claret. Allez, celui-ci là, qui est un peu
rouge. Ouais, il est rouge quand même. Allez. Non. Peut-être un peu trop rouge. J'ai pas envie de mettre de rouge aujourd'hui. Je suis pas trop fan de rouge. Mais je veux quelque chose d'un peu plus doux, mais intense. Oh, j'en sais rien. Le Mars. Ouais, Mars, Mars, Mars. Ça sera mieux. Ouais, Mars. Donc avec un pinceau Sephora et Sanana, le S13 que j'aime bien utiliser. Ok. Faut y aller vraiment mollo la stico. Hein. Ouh là là. Très bien. Il est beau, hein. Ça va bien ensemble. C'est un joli marron chaud. J'aime bien. Un peu terre de sienne. Je sais pas, j'adore. Regardez-moi ça, c'est trop beau, hein. Bon, bon bah, j'ai rien à dire, ça se travaille bien, ça s'estompe bien, c'est très agréable à travailler, franchement. J'ai utilisé un pinceau 228 de chez Zoeva pour estomper un peu, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin, parce que ça s'est très très bien fondu entre les deux, mais bon. L'estompage, c'est quand même la clé hein, d'un joli maquillage. Non, franchement, je crois que j'ai rien à dire là. Je retrouve la qualité du Book of Magic. Donc, pour l'instant, écoutez, je suis ravie. J'ai utilisé la teinte Valentine. Parce que j'adore cette teinte, elle est trop belle. La Valentine, trop jolie. J'adore. Je vais mettre dans le coin externe de l'œil. Alors, je vais essayer d'aller mollo l'astico. Hein. Avec un pinceau comme ça de chez Inuit, c'était le pinceau licorne, j'avais dans une box. Fleur Valentine, c'est pareil, c'est une espèce de pigment pressé, je pense que ça... Magnifique. Regardez-moi ce fard, il est sublime. J'adore, il est trop beau. Je vais peut-être intensifier un peu plus le coin externe. Bah le Mars, je ne vais pas en remettre. Je pense avec un pinceau un peu plus précis. Avec le pinceau de chez Makeup Geek, le Outer Vape Brush, qui est un peu plus précis. Je crois que je vais y aller avec le noir. Mais alors, le ink, une toute petite touche rikiki, hein. Celui-ci, une toute petite touche parce que je crois que il est méga poudreux et j'ai pas envie de foirer. Oh là là. Mon mec, vous voyez le truc de ouf? Non mais juste un tout petit peu quoi. J'en ai mis un chouïa, un chouïa. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis le Mars. Estomper un peu. Peut mélanger les deux teintes. J'aime bien. Ça intensifie le coin externe sans trop en faire. Donc bon bah le noir il est très bien. Faut bien tapoter son pinceau pour éviter d'en foutre de partout. Mais nickel. Pas de chute. En allant mollo. Pas de chute. Ensuite sur l'autre tiers de l'œil, qu'est-ce que je vais mettre? Soit le violet. Le kaki, je ne vais pas y aller sur le kaki. Le kaki, je mettrai en ratine inférieure peut-être. Bon, déjà, je vais utiliser le pinceau Zoeva, le 234 Luxe Smoky Violet Shader. Ou lui. Ou le Royal ou le Queen. Personne ne peut m'aider, il faut que je me débrouille avec ça. Eh bien, je ne sais rien. On va essayer de mettre des teintes que je mets rarement. Donc la teinte Queen. Qui est un peu plus rouge-rose. Ça marche pas avec ce pinceau. Pinceau Sephora et Sanana, le S8. Hein, ça marche pas avec un, ça marchera avec un autre. Voilà, vous voyez. C'est joli. Bien, 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 bien. Je vais réutiliser le pinceau avec le fard un peu plus foncé pour mélanger les deux. Il y a quelques chutes, mais bon, rien de dramatique. Je vais enlever ça.
c'est pas mal. Je vais essayer de remettre un peu de flamingo ici pour que ce soit plus joli, bien estompé. Flamingo, c'est le pinceau avec le premier fard que j'ai utilisé. Pour pas qu'il y ait trop de blanc, quoi, et que ce soit estompé. Bon, voilà, si on ne voit pas à 10 km, je ne sais pas quoi vous dire. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais manger, parce que ma nourriture est prête, me manger est prêt, je vais enlever ça là, cette poudre qui me pourrit le crâne. Je vais faire un trait de liner, enlever le fard qui est un peu tombé, et on va se retrouver pour finir le make-up des yeux avec le coin interne. Ouais, et le ras-de-cils inférieur, donc dans une seconde pour tout. Bon, entre temps, j'ai mis mon trait de liner. Bon, c'est pas pareil des deux côtés, mais pff, je suis nulle en trait de liner. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est de voir les fards à paupières. Voilà, je me suis coiffée. Hein. J'ai en même temps enlevé la poudre qu'il y avait sur la racine du cheveu. Bon, on va finir le make-up des yeux. On va utiliser un petit pinceau crayon. Comme ça, Sephora et Sanana, le S8B qui est tout petit, ce sera très bien. Et je vais mettre la teinte Chintz. Allez, Chintz, celle-ci qui ira très bien. Gris violet, je pense. Pourquoi ouais, interne? Oui. Très belle cette couleur. Oh, je trouve cette teinte magnifique. Je trouve que ça rend bien en coin interne. Très très bien. Ensuite, en ras de cils inférieur. je pense que vous allez deviner. Je vais utiliser un pinceau crayon de chez MAC, le 219, qui est un peu... qui dit pas, ses poils, ils sont tout abîmés. Et je vais mettre la teinte... Trop fastoche. Kaki. Voilà, moi je veux mettre du kaki sur les yeux aussi, parce que ce fard est d'une sublimité exceptionnelle. C'est tellement beau. Donc, en ras-de-cils inférieur et waouh, le truc de fou. En plus il y a le soleil qui est sorti là juste en face de moi, mais waouh. Ce fard est d'une magnificence et qu'il faut qu'il tombe. C'est magnifique. J'adore. Donc voilà. Très bien ce make-up. New romantique. Tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà. Allez, on va finir les yeux. On va passer au mascara. Et on va mettre le Sky Eye de chez Maybelline. Alors moi j'ai déjà utilisé depuis... ça fait une semaine que je l'utilise au moment... Au moment où vous verrez la vidéo, ça fera presque 3 semaines que je l'utilise. Ouais, non, 2 semaines et demie que je l'utilise. Et je le trouve formidable. Voilà, donc je vais quand même vous montrer la brosse. Regardez-moi ça. En plus, elle est hyper souple. Voilà, vous l'avez vu dans le haul. Et bah, c'est parti, je vais vous montrer... Alors n'oubliez pas que j'ai des cils de merde. Tout petit, tout riquicote, super court, tout blondiné. C'est pas des cils exceptionnels hein, que j'ai. Mais voilà ce que ça donne. Regardez. Une couche. Je vais vous montrer. Je vais mettre le deuxième œil et après je vais vous montrer avec deux. Donc voilà ce que ça donne. Avec deux couches, franchement, c'est formidable. J'adore. Trop bien. Voilà. Sur les cils inférieurs, je vais mettre le mascara waterproof. Un waterproof parce que j'ai les yeux qui pleurnichent un peu. Et ça sera mieux. Je ferai après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au blush. Donc, blush. Le Charlotte Tilbury. Le Cheek to Chic. Love is a Drug. Voilà, je voulais mettre ça aujourd'hui parce que je le trouve magnifique et je suis satisfaite. Donc je vais vous montrer ça, c'est magnifique. Pigmentation.
Au moins ça se voit. Regardez-moi ça. Même pas besoin d'estomper, c'est parfait. Ce blush est nickel. Nickel chrome. Ouais, donc je vais mettre le mascara en ras de cils sur les cils inférieurs, vite fait. En muqueuse un crayon et on se retrouve pour l'highlighter. Donc voilà, j'ai mis le mascara sur les cils inférieurs, donc c'est le Size Up Waterproof de chez Sephora. Et en crayon, en muqueuse, c'est comme d'habitude le Sisley. Voilà, c'est le Kohl Ink. Voilà. Bon, comme d'habitude, c'est le tout petit crayon que j'adore. Donc passons à l'highlighter. Et il est trop beau de chez Anastasia. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Il est sublime. Donc, j'utilise un pinceau Awa Studio, le F19, qu'on trouve sur Shop Miss A. Tout beau, tout propre. Et c'est parti, mon kiki. J'aime tellement déjà le Amrezi que je me suis dit que celui-ci serait aussi, aussi joli. Oh là 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 là. Est-ce que vous allez voir quelque chose? J'espère que vous voyez. Il est sublime. J'aime trop, trop, trop. J'ai oublié un truc avec la palette. Vite fait, sous l'arcade sourcilière, la teinte Vanilla. Allez, on va utiliser un pinceau Sephora et Sanana, le S5. Et je vais utiliser donc la couleur Vanilla pour... éclaircir l'arcade sourcilière, que ce soit quand même plus propre et plus joli. On voit pas trop la différence, mais ça sera toujours mieux. Ouais, c'est mieux. Vous voyez que l'épilation, ça aurait été mieux. C'est pas grave. Et le mascara vient de tomber. Donc voilà pour les yeux, voilà pour la lighter, voilà pour les joues. Et on va passer aux lèvres. Donc on va mettre le rouge à lèvres, enfin le baume à lèvres de chez Charlotte Tilbury à l'acide hyaluronique, donc le Happy Kiss. Donc moi j'ai pris en teinte Pillow Talk, forcément j'ai pris une teinte qui me parlait, voilà. Et c'était celui que je voulais parce que la teinte elle me plaisait trop en fait. Donc voilà comment ça se présente, voilà, petit packaging, bon on retrouve la même, le même code couleur, hein. Donc un peu marron chaud, très foncé. Voilà, et le côté un peu doré, ouais, doré rose gold, voilà. Et donc, au cucu, vous avez le nom, par contre, il n'y a pas de pastille de couleur, c'est un peu dommage. Et il y a 2,4 grammes de produit là-dedans. Ah oui, la lighter, je ne vous ai pas dit. L'highlighter, 11 grammes. Il y a plus d'highlighter que de poudre, que de fond de teint poudre. Ça craint, 9 grammes, bon. Bref, donc voilà donc, comment ça se présente, donc c'est un baume comme ça, et en fait il faut le twister pour que ça sorte, mais attention, on peut pas le détwister, voilà, je préfère quand même prévenir. J'étais pas en train de filmer, j'ai dit allez c'est parti et j'étais pas en train de filmer, bref, donc je disais oui c'est très pigmenté. Choqué de la pigmentation. Attendez, je vous ai pas fait un swatch. Voilà. Je pense que c'est clair, net et précis. Ça va pas trop avec mes yeux. Hein. Mais c'est vachement pigmenté. Par contre, ça bave un peu. Je sais pas trop quoi penser. Bon, à part que c'est hyper pigmenté et un peu gras, je sais pas trop quoi en penser en fait. Je sais pas. Bof. C'est pas exceptionnel en fait. J'en sais rien. Je trouve que ça fait gras. Vous voyez là, cet après-midi, je dois partir mettre le masque. Il faut que j'enlève. Pas possible, j'en vais en avoir partout. Je vais me retrouver avec la bouche pleine de trucs. J'en sais rien. Bon, d'ici là que je poste la vidéo, je l'aurai porté comme ça, sans masque, sans rien. Je vous mettrai une annotation ici, voilà. Et pour vous dire un petit peu ce que ça vaut. Parce que là, bah, j'en sais rien.
je suis un peu... C'est joli, mais je trouve que ça fait... je sens sur les lèvres, ça fait épais en fait, ça fait gras. Je suis pas fan. Hein. Alors là, Charlotte, je suis déçue. Qu'est-ce que ce truc? Bon, eh ben, on verra. On verra, je vous en reparlerai, je vous en... Ouais, je vous dirai. Je vous dirai ce que j'en pense, si c'est vraiment bien ou pas du tout. Mais, je suis pas fan du tout. Cette épaisseur sur la bouche, ce côté un peu gras, voyez, ce côté un peu collant, vraiment pâteux, en fait, ouais. Bon bah on en reparlera. Donc voilà pour mon make-up avec tous ces produits. Je vais vous faire un petit récap vite fait de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai testé parce que ça clignote la batterie déjà HS. Anti-cerne Sephora, écoutez, pour l'instant je trouve que c'est très bien. C'est j'ai pas de problème, donc on verra, je réessayerai un peu plus dans mon quotidien, voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour l'instant, écoutez, c'est une belle découverte. Je suis plutôt satisfaite. Ensuite, le fond de teint poudre compact L'Oréal. Je vais tester là, avec le masque et tout, pour voir si c'est vraiment résistant et tout. J'aime bien la couvrance. Je trouve qu'elle est quand même moyenne. Vraiment moyenne, modulable et tout. Le côté très poudreux, bon ça au pire, une fois que je suis dans ma salle de bain, je nettoie le lavabo, c'est pas grave. Le côté très poudreux, voilà, ça me dérange pas plus que ça. J'aime bien le fini poudré. Après c'est vrai que moi je vous avoue que j'ai oublié de vous dire, mais j'ai mis le fixateur de maquillage de chez NYX avant. Et après pour finir mon teint, là avant de mettre le rouge à lèvres, j'ai mis le All Nighter de chez Urban Decay. Parce que je vais mettre le masque et tout, donc voilà. Mais j'aime bien cette poudre, j'aime bien la couleur, je trouve qu'elle est parfaite pour moi. La teinte elle est nickel, donc voilà, sable rosé, parfait. Ensuite, la palette Beauty Bay, alors là, encore une réussite de Beauty Bay. Bravo et merci beaucoup de me l'avoir envoyée. Cette palette est sublime, les teintes sont magnifiques. Je n'ai pas d'harmonie comme ça, très rouge. Rose chaud, rouge et tout. J'ai pas de fard comme ça. J'adore le make-up que j'ai fait. J'adore la touche avec le kaki. Je trouve que ça rend trop bien. Ensuite, le blush. Bon, bah, vous pouvez constater que je trouve qu'il est magnifique. En tout cas, cette teinte Love is a Drug, pour moi, elle est nickel de chez Charlotte Tilbury. Si vous devez choisir une teinte, si vous aimez le rose, partez là-dessus parce qu'elle est très belle. C'est très fin, c'est. Ça se fond bien la peau, même pas besoin de l'estomper, c'est juste parfait. L'highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, même qualité que la Amrezy. La teinte, moi j'aime beaucoup ce côté doré, voilà, assez jaune. Mais moi j'aime beaucoup, je trouve que ça va bien avec mon make-up, ça rappelle un peu le fard kaki, je sais pas. Je le trouve magnifique cet enlumineur. Super réussite, vraiment. Une beauté, le packaging est très beau, la poudre est très belle, j'adore. Par contre, le baume, ben, ça me fait des filaments. Je voulais te faire ça, je voulais le bouffer pour éviter que ce soit trop, trop caca. Donc ça, pour l'instant, j'aime pas trop. Je vais voir comment il va évoluer au cours d'une journée, on va dire lambda. Comment... est-ce que ça va se passer, parce que j'ai senti cette épaisseur sur la bouche. Là je pense que je me suis habituée, donc ça va un peu mieux. Là j'aime bien hein, la couleur, j'aime bien le fini très brillant comme ça. Je trouve que la pigmentation elle est oufissime, sauf que l'embout il est un peu spécial parce que je trouve que ça fait tout caca, c'est assez gras, voilà. Un peu en demi-teinte, je trouve que pour 32€, c'est vachement cher. Donc ça, je vous dirai, de toute façon je vous aurais dit ce que j'en pense, je vous dirai et tout, je vous en reparlerai dans mes favoris fin mars. Mais pour l'instant, je ne suis pas très convaincue, voilà. Après, peut-être que, voilà, faut que je m'habitue, peut-être que j'en ai peut-être mis un petit peu trop aussi.
vu que c'est très pigmenté, vu que j'avais pas filmé quand je vous en ai parlé. Donc bon, ça, je vais revenir dessus, je pense, je vous épinglerai de toute façon mon avis et on reviendra dessus sur les favoris du mois de mars. Rejoignez-moi également sur Instagram, je vais sûrement vous en parler dans une story où j'aurai retesté ce produit. Je pense que je vais le réutiliser plusieurs fois pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai oublié de vous parler le mascara, j'ai arrêté la vidéo. En fait, comme il était tombé entre temps, bah, j'ai oublié de vous dire. Le mascara Sky High de chez Maybelline, c'est une pure bombe atomique. J'adore ce mascara, il est génialissime. Je peux que vous le conseiller, donc ça... Pourtant j'ai des cils qui sont petits, courts et tout, je trouve que ça donne vraiment du volume et de la longueur, surtout de la longueur, mais quand même le volume juste comme il faut, enfin ça je vous le conseille, mais alors mille fois, il n'y a aucun souci. Allez, je vous laisse avec ce que j'ai déjà filmé il y a 10 minutes. Mais donc voilà pour tout ça, je suis ravie d'avoir crash testé tous ces produits, j'espère que la vidéo sera pas trop longue pour un mardi, voilà. Bah dites-moi si vous connaissez ces produits, si vous vous avez testé, qu'est-ce que vous vous en pensez, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.